Donc je répète, bonsoir. Est-ce que si quelqu'un est là, une entité ou quelconque, est-ce que vous souhaitez communiquer avec moi aujourd'hui, ce soir? Merci. Je vous écoute. Serait-il possible d'avoir une communication aujourd'hui? Essayer l'histoire du téléphone, mais bon, après ça devient lassant là. Amanda, est-ce que vous êtes là? Souhaitez-vous communiquer avec moi ce soir? Je suis là en ami, je ne vous veux aucun mal. Si je peux vous aider en quoi que ce soit, vous pouvez me le dire. Merci. J'ai retrouvé des bonbons en fait. Je vais aller en chercher. Je sais que c'est un enfant. Alors, pouvons-nous recommencer l'expérience avec le fameux téléphone qui n'est pas, je précise, ouvert? Je vais m'installer correctement. Parce que cette fois-ci, j'ai trouvé mes bonbons. Et comme j'ai vu que ça avait bien marché la toute première fois, donc on va réessayer avec les bonbons. Nous allons mettre le nounours ici. Donc là, c'est pas comme là d'habitude. Je vois qu'il y a une bonne activité, c'est magnifique. Ah ouais, d'habitude, c'est là-bas. On va mettre le nounours là et le téléphone ici. Alors, je vais laisser un bonbon. Voilà. Et pour être sûr de mon coup, en espérant que ça me fonctionne, donc le téléphone est bien fermé. Ok. Je vais mettre un peu d'énergie dedans en le frottant sur moi. Ok. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, faire bouger le téléphone comme la dernière fois vers le nounours? Mais c'est pas laissé, ça s'est pas laissé attendre très longtemps. C'est la deuxième fois que je recommence. Et là, on voit bien, vous voyez bien que l'aimant est bien au rouge. Donc la dernière fois, il n'y était pas. Donc ça n'a pas fonctionné, hein. Vous voyez bien que le téléphone, là, il est à bouger. J'ai demandé. Est-ce que tu peux le faire comme la dernière fois, le faire vraiment bouger vers le nounours? Encore un peu plus, s'il te plaît. Merci. Décédé. En même temps, j'ai un mot qui me dit décédé. Ok. Je vais répondre. Qui est décédé? Est-ce que tu Pas de peux... regret. Et pas de regret en plus.
Ok. Donc vous êtes décédé et vous n'avez aucun regret. Donc vous êtes bien là où vous êtes bien là où vous trouvez? C'est-à-dire ici, dans l'appartement, chez moi? Apparemment, à chaque fois que je mets un bonbon, c'est incroyable, hein? La dernière fois, c'est quoi ce truc-là qu'on voit ici, là? Enfin, j'ai pas envie de tout ficher en l'air en le touchant. On va dire que c'est moi qui l'ai touché. On voit bien que. Voilà. Ou alors c'est moi qui a de l'énergie. Comment ça s'appelle? Avec ma main, je fais la magie. On voit bien que le téléphone commence à rebouger encore un petit peu. En fait, elle le fait petit à petit, hein, jusqu'à temps qu'il va arriver sur le nounours, en fait. Là, j'ai senti que le captage était bon. Donc, je me suis dit, pourquoi pas le faire, quoi. C'est gentil, merci. Merci beaucoup. Donc je répète, le téléphone n'est pas ouvert, il n'y a pas de vibreur, il n'y a rien du tout. Parfois je me demande s'il n'aura pas besoin d'énergie pour le faire bouger. Parce que c'est vrai que les entités ont besoin quand même d'assez d'énergie pour faire bouger quelque chose. Parce que quand je mets ma main sans le toucher, ben pour dire de. Peut-être qu'elle puise dans mon énergie, j'en sais rien. C'est là que le téléphone se met à bouger en fait. Donc j'aimerais quand même avoir des avis. Est-ce que c'est tout simplement moi qui se fais des idées et puis que le téléphone au final il glisse tout seul? Mais vu ma dernière vidéo, vous avez bien constaté que pour le faire bouger, c'était quand même assez compliqué sur le fauteuil en plus. Avec cette matière-là, hein, qui est assez rugueuse. Donc, elle redescend. Hein. Enfin, ça va tellement petit à petit, en fait, que. Est-ce que tu peux me redonner ton prénom, s'il te plaît? Merci. Pourquoi es-tu ici? Moi? Mais parce que j'habite ici. Comme d'habitude, à chaque fois que je fais une vidéo, il faut qu'un chat m'emmerder. Toi, pourquoi es-tu ici? C'est toi, pourquoi es-tu ici? Vas-y, tu peux faire bouger le téléphone, s'il te plaît? Janice. J'ai demandé un nom, Janice. Ok. Bonsoir Janice. Merci Janice. Quand même répondu à ma question, donc c'est pas mal. On voit bien que le téléphone a quand même bien bougé. Bon, maintenant il bouge plus, apparemment. Voilà, bon, ben, c'est tout quoi. On peut pas non plus trop demander. Est-ce que tu souhaites continuer à faire bouger le téléphone ou pas? Ça serait gentil, merci. Comme la dernière fois. En attendant, j'ai fait une petite vidéo qui. Okay. Je vais peut-être fermer la lumière. Parce que j'ai une lumière ici sur le côté. Quand même pas louper non plus le téléphone si jamais il bouge qu'on zappe quoi. Faut voir. On l'avait déjà vu plusieurs fois. Maintenant, on a la preuve.
Bon, ici, c'est pas la caméra de captage d'anomalie, c'est la caméra pour juste pour parler. Donc, on ne va pas avoir d'anomalie. Pour ça, il faudrait que j'arrête d'enregistrer ici et que je fasse une autre vidéo. Ah, en attendant, je pense que là, ça a bougé légèrement, oui. Ouais. On est plus vers près de. Bah, de toute façon, il va finir près de d'ici, hein. Comme la dernière fois, en fait, il avance, ouais. Jusqu'au pied à chaque fois. Voilà. Et surtout quand je mets un bonbon, vous avez remarqué, hier j'ai pas mis de bonbon, y a rien qui a fonctionné. Parce que je sais que l'entité est un enfant. Donc je me suis dit, je vais mettre un bonbon. Donc je remets le bonbon ici. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, refaire bouger le téléphone? Merci. Le téléphone est complètement à chies, quoi. Pas de batterie, rien, pas d'énergie, rien. Donc c'est vrai que pour elle, ça, apparemment, ça doit être compliqué de. Tu peux puiser l'énergie chez moi si tu veux. Maman, elle est là. J'ai pas de fil, j'ai rien. C'est pas moi qui m'amuse. Je vois pas pourquoi je ferais ça d'ailleurs, ces gamins. En danger. Ma main est froide. C'est incroyable. Ma main est froide. J'aurais peut-être pas dû bouger le bonbon pour voir quand même que le téléphone avait bougé ou pas. Moi, je le trouve qu'il a rapproché encore plus d'une ours. Qui est en danger? Oh la vache. Est-ce que je peux avoir un autre prénom de la personne qui est en danger? Est-ce que tu veux que j'arrête de faire ça? Tu ne veux plus bouger le téléphone? Tu as besoin de quelque chose pour le faire bouger? Faut savoir que l'entité qui était un enfant, bah, je lui ai offert ce nounours et elle s'est attachée au nounours parce que quand je me mets vraiment, bah là j'ai même pas besoin parce que c'est voilà, vous voyez, prouve que voilà, apparemment s'est attachée à ce nounours là. Ce qu'on peut faire, c'est une autre vidéo avec les anomalies là, pour voir. Ouais, on va faire ça. Donc la première vidéo ici, c'était, on a eu quelques messages. C'est vrai que c'est pas comme une vraie ghost box, hein. Mais c'est assez concret pour moi, je trouve déjà. Avec le peu d'accessoires que j'ai quand même pu prouver quand même qu'il y avait quelque chose ici, puisque le téléphone a déjà bougé 2 fois de suite. Enfin, il avait déjà bougé, mais l'avais pas filmé, donc même carrément fait tomber de la table. Heureusement, il s'est pas cassé. Pas celui-là, mais celui que j'ai en main. Je vais arrêter cette vidéo et on va faire Ornement. ornement. On va faire. Parfois les mots sont incompréhensibles. Je suis en mode avion. Un petit captage ici pour voir. Par là. Mais c'est vrai que par là sur le Bon, mur. merci.
Ah, vous avez vu? Non, merci. Et paf. Âgé. C'est parti. L'aimant est parti. Il n'y a plus rien. C'est incroyable. Regarde. Voilà. Finish. Non, non, vraiment, c'est. C'est. Ah là, Ah oui, là, le téléphone est là, bougez encore. Je suis dans le même cadrage. Hein. Ouais. Ça y est, il a été là où il devait aller, quoi. Près du pied. Dommage, j'ai pas eu le temps, je l'ai pas filmé. C'était sûrement. Elle est partie. Ça y est. C'est rien que je continue. Merci. Ben écoute, je vais vous dire au revoir et je vous remercie pour les messages et pour avoir fait ce que je vous ai demandé. Au revoir.